Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Musique pour aujourd'hui un morceau de Led Zepp et ouais, Cashmere, qui est un morceau qui est sorti en 75 sur le double album Physical Graffiti, dont on voit la jaquette à l'écran. Voilà, c'est un morceau qui comporte 4 parties, bon, et surtout qui a la particularité d'être accordé de manière alternative, c'est-à-dire qu'on n'est plus en accordage standard, mais en dad-gad, voilà. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est. Voilà, et pour ceux qui n'ont pas de guitare électrique mais qui souhaiteraient jouer quand même ce morceau sur leur acoustique, je ferai une démonstration sur la folk pour vous montrer que ça marche aussi. Voilà, donc directement l'accordage d'abord, et puis ensuite je vous montrerai les petits plans de main gauche et surtout le découpage rythmique à la main droite. Voilà, alors si vous n'avez pas d'accordeur, je vais vous montrer la manière de vous accorder quand même en dad-gad. Donc la corde de mi doit devenir un ré, c'est le D du dad-gad. Donc je vais descendre celle-ci jusqu'à ce qu'elle sonne comme la corde de ré à vide. Donc là, la troisième en partant des graves, ça c'est le ré, vide, voilà. Et il faut que quand vous jouez, on donne l'impression qu'on n'a qu'un seul son, même s'il y en a un son plus grave que l'autre. Si je suis pas dessus, ça va faire comme ça. Ça crée une espèce de courbe à l'intérieur du son qui est, on sent que ça bouge quoi. Donc à la limite, mettez-vous bien en dessous, et vous montez jusqu'à ce que vous ayez l'impression que ça donne après le La, il bouge pas, le Ré il bouge pas, le Sol ne bouge pas non plus. Maintenant le Si va descendre en La. Donc pour que ça sonne comme le, il faudrait que ça sonne comme la deuxième corde. Donc vous jouez celle-ci à vide et vous la descendez. Même chose, si vous n'êtes pas sûr, vous redescendez la corde encore plus. Jusqu'à ce que ça donne un unisson quoi. Et la dernière corde, c'est le Mi, va descendre également en Ré, comme le gros. Donc vous pouvez prendre en référence la troisième corde là. Voilà, et quand ça sonne comme ça, c'est que c'est bon. À peu près. Le mieux c'est quand même de vérifier avec un accordeur électronique. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous essayez comme ça. Voilà. Alors, pour vous redécouper tout ça, je me suis mis en son clair, c'est-à-dire j'ai enlevé le flanger et la reverb là, qui donnait ce côté un peu psychédélique, juste pour avoir un son vraiment sec. Voilà. Donc le premier plan, il se joue comme ça. Vous allez placer l'index sur la deuxième case, hop là, de la corde de Sol. D'accord. Et le petit doigt sur la cinquième case de la corde de La. Donc entre la cinquième case du petit doigt là et cette corde-ci, on a une corde au milieu qu'on va bloquer. Alors, si on attaque trop perpendiculaire, là on voit pas très bien, mais regardez bien le schéma. Si on attaque trop perpendiculaire, ça va donner un accord comme ça avec plein de cordes à vide. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment essayer de choper que le son de cette corde, de cette case-là, et de celle-ci. Donc je me place et je rabaisse un petit peu la main. Je monte le pouce par-dessus, comme ça. Merde. Voilà, ça donne l'impression que j'appuie, mais pas du tout. Voilà, je suis juste dessus. J'ai déposé le majeur et l'annulaire par-dessus les cordes. Et il faut qu'on n'entende que deux notes sur les six cordes. Donc ça, c'est le premier vrai exercice à travailler sur ce morceau. Choper un truc clair, sinon ça va donner, ça va être un petit peu l'enfer. D'accord, donc quand vous avez réussi à choper ça, vous avez fait le plus gros du travail, parce qu'ensuite le petit doigt va pas bouger, lui il va grimper, première position, il reste sur la même corde, troisième case, super. Après il peut encore monter, ou on peut utiliser un autre doigt ici en quatrième case. Ensuite on va être obligé de changer le doigté pour se placer toujours en 5 ici et en 5 de la corde de Sol, avant-dernière position et la dernière position. Je suis obligé de changer le doigté aussi, au moins que vous ayez les doigts assez grands pour faire ça. Oui, ça marche aussi à la limite. Donc 5 de la corde de La et 7 de la corde de Sol. Donc sachant que la case 5 reste tout le temps, les notes qui montent ici sur la corde de Sol sont donc 2, 3, 4, 5, 7. D'accord.
Donc le but du jeu après, c'est d'essayer de faire sortir la cinquième case en même temps. Donc. Voilà. Je grimpe. J'ai du mal à bloquer, mais en même temps, si je vous montre mal, vous n'allez rien comprendre. Alors, tac. Après, on change tout en 5-5 et 5-7. Donc ça, vous le travaillez correctement. Il faut vraiment passer du temps pour que ce soit clair. Et ensuite, la main droite, ça va faire comme ça. Au tout début, on a... C'est-à-dire... Bas, bas, rien. Bas, bas, merde, excusez-moi. Bas, bas, rien. Bas, bas. Et là, je laisse sortir, je joue la corde de Ré à vide. La corde de Mi qui est descendue en Ré, hein, donc. Et là, c'est pareil, d'accord? Après ce 5-7, là, dernière position, on balance pas le Ré, ni on double pas la formule de départ. On repart directement au début. Donc je reprends 5-5. Et tout de suite. D'accord? L'astuce, c'est qu'au départ, on a deux fois ce 2-5, au tout début. On a... Voilà. On a... Vous voyez, donc on a fait deux fois. À part la première fois, on ne l'aura jamais deux fois de suite. Je vous le fais depuis le début, un tour complet. Bien l'écouter aussi pour l'avoir dans l'oreille, hein, c'est tout de suite plus facile. Donc le deuxième plan à présent, il se place juste à la suite de ça, à la place du 5-7, c'est-à-dire après le 5-5, on balancera le plan numéro 2. Donc je vous reprends le plan numéro 1, tronqué à la fin, qui mène vers le truc numéro 2. Alors on dit que je pars en cours de route, donc du coup pas deux fois le début là. Je place le majeur et l'annulaire sur la 12e case du petit mi, enfin l'annulaire, et la 12e case de la corde de sol avec le majeur. Et à la main droite, je vais gratter, on pourrait tout gratter, tout le temps, mais pour pas trop, trop floutifier, on va essayer de gratter que les 4 dernières cordes. Donc en partant de la corde de Ré à vis celle-ci. Donc 12-12, ça c'est la première position. La deuxième position, l'index joue sur la corde de sol, la même corde que là où était le majeur, mais il se retrouve en 11e case. Donc là, ça fait 12-12, et ensuite 11-12. Et ce sera ça tout le long du manche. Donc 12-12,
Ensuite, 9-9. Pardon, 10-10. Alors, le premier. 12-12. 11-12. Deuxième. 10-10. 9-10. Là, on aura 7. 7-7. 6-7. Ensuite, 5-5. 4-5. 3-3. 2-3. Je vous refais déjà les positions sans rythmique. Hein. 12-12. 11-12. Ouh. Deuxième. 10-10. 9-10. Ensuite, 7-7. 6-7. Ensuite, 5-5. 4-5. Après, 3-3. Et... 2-3. Et à la fin, la petite formule. Sur la corde de Ré, là. 3-2-0. Et après, je me replacerai en 12-12. Donc, rythmiquement, maintenant, pour le compter, il vaut mieux le compter, à mon avis, au départ, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Un peu emmerdant, ça. Continuez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ensemble, je sais que vous ne l'avez pas fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc chaque claquement de main va correspondre à une attaque de médiator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Important puisque ça va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et après le même schéma en partant de 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et ensuite pareil là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Et on repart. Et voilà, du coup on a deux fois le schéma que je viens de vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ça, c'était la partie numéro 2. La partie numéro 3, à présent, elle se cale à la fin de ce truc-là. Il va y avoir un petit riff d'entrée pour atterrir dessus. Donc je reprends le plan numéro 2 qui mène vers le plan numéro 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, je me rapproche. On va faire ça sur la corde de Ré. 3, 2, 0. Ensuite, la corde de la vide. 0, 2. Et 0 de la corde d'après. Ah, merde. 3, ah! 3, 2, 2, 0, 0, 2, 0. Et après, on atterrira en power chord sur la corde La. Donc ici, donc sur la corde La, il faut bien laisser le La à vide. Il ne faut surtout pas le toucher parce que sinon, on n'a plus la basse. C'est un peu emmerdant. Et donc, on essaiera de taper les trois premières cordes. En mettant l'index un peu de traviole. Et les cordes au bout sont bloquées naturellement. Le pouce par-dessus, comme ça on ne chope pas le gros mi. Hop là. Oh. Voilà. Donc, bout à bout avec le petit truc. Ah. Mm-hmm.
Donc là, il y a deux possibilités pour l'attaque suivante. Une fois qu'on a fait le power chord de là. Soit on va choper 7 et 7 des cordes de La et Ré. Et on va essayer de gratter que les deux cordes à la main droite, c'est-à-dire la corde de La et la corde de Ré. Et on redescend sur la corde de La. Ou bien, le 7-7 qui est là peut être remplacé par 14-14, qui est l'octave en fait du La, c'est-à-dire le même La, mais toutes 12 demi-tons au-dessus. Et donc on appuierait sur 14 et 14 des cordes de Ré et Sol. Ce qui donnerait les deux possibilités de cette troisième partie. Ah bah là c'est raté. Ah c'est raté aussi. Voilà la première. Deuxième possibilité. Moi j'aime bien celle-ci. Et là on retrouve le plan qu'on avait précédemment qui va à chaque fois donc se placer entre chaque power chord là. Je vous le refais une fois pour le placement rythmique maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin, en tout cas, moi. Voilà, super. Donc, la dernière partie, elle se passe en power chord, en fait. Et en dadgad, le power chord va se faire comme ça. On va barrer la cinquième case, tout, avec l'index. Et on va placer l'annulaire sur la septième case, ici, de la corde de sol. Donc, 5, 5, 5, 5, machin. Et l'annulaire, septième case. Et là, on fait tout gratter. À cette position-là, donc quatrième partie, hein, autant pour moi. Tac, c'est un power chord de sol, et ensuite, on grimpe tout, les deux cases à droite, pour avoir le power chord de là. Et cette quatrième partie va tourner uniquement autour de ça. Alors par contre, le placement rythmique est un peu pénible, ça va donner sur le sol. Ça, il reprend sur la deuxième partie. Voilà, la troisième partie à part, c'est celle qui est très orchestrée là, avec tous les violons et tout.
Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Ciao.